Salut à tous. Bon voilà, on vient de finir le briefing. Donc on est au circuit de l'Enclos avec l'organisation Drift & Fun. Trop content de vous revoir. Donc là, on va préparer les voitures. On va commencer l'entraînement. Le soleil est là, le parking est tout prêt. Les voitures. Là, Quentin, il va essayer de poser. Je te laisse poser, hein. Non. Bastien, ouais. Dis-nous comment tu prends tes kilos. Lays, j'ai de la patate. On m'a toujours dit c'est bon la patate. Bon, c'est un peu gras. Hein. Un peu gras. Tu passes une bonne journée? La voiture elle tourne? Ouais, on a esquinté les pare-chocs. Non, on a fait le baptême des deux pare-chocs, c'est très bien. Oh putain, c'est voilà. Bon, il a déjà tout niqué. Attends. Il me met la pression. Non, c'est bien. C'est sympa les battles. Ça va, il y a Quentin pour ça. Chauffe, hein. Ça chauffe, hein. Je crois qu'elle chauffe un peu. Ouais. Les regarde, c'est la voiture de mes rêves qui passe. Elle est belle. Hein. Vous avez vu la voiture de mes rêves? Dès qu'il y aura du budget, abonnez-vous sur la chaîne. Dès que j'ai du budget, j'achète ça. Abonnez tous vos potes aussi, sinon il l'aura jamais. C'est la boîte de nuit ici. Donc la matinée s'est bien passée. Ouais, j'ai un peu chauffé mais c'est pas grave, on a fait quelques battles avec Quentin de loin parce que clairement les pneus... Ah non, on les trouve dans la benne, c'est on vrai. On cherche des pneus. Ouais, s'il y a un sponsor qui passe par là, Platine, si tu nous entends, envoie des pneus. On a pas d'autocollant sur la voiture, on peut en mettre des très gros. Oui, on a plein de place sur la voiture, on peut mettre un énorme sponsor, donc n'hésitez pas. Allez, on va manger. Bah alors Sylvain, on prend une fondue? On est vachement intelligent, on va être trop lourd dans les voitures. Alors tu vas faire quoi cet après-midi? Cet après-midi on va faire des battles avec Quentin là qui est là. Regarde, il m'attend. Moi je vais lui rentrer dedans là. Et puis voilà, non, c'est une bonne journée, il fait beau. On n'est pas beaucoup mal, hein. À cause de ce putain de virus, donc il n'y a pas de public, mais c'est pas grave, on s'amuse. J'ai mon caméraman officiel derrière la caméra. Merci Sylvain. Puis on va bien s'amuser cet après-midi. Voilà. La voiture chauffe pas, oui. On a fait la purge. Donc là c'est bon. Problème. Ah non, on a essayé. Non, on a essayé. On verra. Si elle chauffe cet après-midi, voilà. C'est ça la fuite là en dessous? Ouais, c'est ça.
Santé. Comment ça s'est passé? Alors raconte-nous un peu tout ça. Bah écoute, on est arrivé, franchement, malgré tout ce qui se passe à la télé et tout, on a passé une super journée. Bon, bien sûr, il y avait moins de public et tout, mais on a passé vraiment un très bon moment avec Quentin. Ça m'a fait plaisir de pouvoir faire des battles avec lui. Parce que bon, dans le monde du drift, c'est vrai que quand on commence à drifter, ce qui est cool, c'est de pouvoir faire des battles. Donc là, j'ai vraiment eu l'occasion d'essayer ça. Ça, c'était top. Drift and Fun, toute l'équipe, encore merci. Un grand, grand merci. Vous êtes vraiment géniaux et on passe toujours du bon moment. C'est bien organisé, c'est fluide. Donc ça, c'est top. Bah là, ça va faire presque... on va dépasser les 1 an que j'ai la voiture. Donc ça fait un peu plus d'1 an que j'ai acheté la voiture. Et bah, vous savez quoi, ça m'a fait plaisir aussi de recevoir des compliments de pilotes expérimentés, dont Marc Fleury, pour ceux qui connaissent pas, allez voir un peu sur les réseaux. Ça fait vraiment plaisir venant d'une personne qui a autant d'expérience. Et voilà, c'est agréable et je prends tellement de plaisir à le faire. Bien sûr, bon, j'aurais jamais, en tout cas pas actuellement, le budget d'aller plus loin ou de faire de la compète, mais on prend vraiment beaucoup de plaisir sur les entraînements et c'est ça le principal, je pense, c'est vraiment de s'amuser et la passion. Donc voilà, là on est sur la route, on rentre tranquillement et puis on va décharger et ensuite dodo parce que je suis HS. Et toi Sylvain, t'es HS? Ah bah moi, grosse journée là, c'était un plaisir de voir ça aussi, première fois dans le monde du drift, première fois sur circuit, ça drift, ça glisse et c'est très impressionnant quand on attire la voiture, les sensations sont vraiment là à refaire, voilà, donc on verra l'actualité, ce que ça va donner, si on pourra en refaire bientôt, mais c'était cool, clairement, c'était bien cool, hein. Très bien, tape là, allez, à plus, ciao ciao.